Bonjour et bienvenue, on recommence. On est reparti. Ça veut rien dire, on recommence. Enfin, on recommence pas, on... Enfin, on continue notre aventure, on continue. J'ai changé un peu le camp. Oh, c'est chiant que ça tourne à 15 FPS, c'est horrible. Faudra vraiment qu'il fasse une optimisation, honnêtement. Faudra vraiment qu'il fasse une optimisation. C'est vraiment... l'impression de jouer à Zelda... Bref. Dans tous les cas... on a changé un peu le camp. Alors je pense que on peut pas faire mieux que ce qu'on a pour le moment. On est tombé à 30 pour... Pourquoi t'es à 50? T'es sérieux? Ah ouais, voilà 50%. Oui, parce que je les ai soignés, donc du coup ils sont un peu plus vivaces. Si je mets... 50%. On a compagnon à proximité x2, donc c'est... Je crois qu'en fait, on n'a pas besoin de coller les cases. Vous voyez, on n'a pas besoin de coller les cases. On peut les espacer d'une demi-case. Et après, si on fait une case, genre par exemple là, je me mets là. Ah, quoi que non. Enfin, je sais pas exactement. Je sais pas comment ça fonctionne, honnêtement. Si je fais ça... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'était... Alors, peut-être que c'est une case, maintenant. Je crois que ça a dû changer. C'est sûrement une case... Pour avoir de l'influence dessus. Là, on a Tarus. Tarus, il est bien placé. Après, j'ai mis les deux comme ça. Du coup, si jamais on met quelqu'un sur le séchoir à viande, on le regardera aussi. Je me suis dit que c'est pas mal. Après j'ai espacé d'une demi-case à chaque chose, parce que sinon après c'est trop côte à côte et tout. Donc au final, quand on sort et qu'on rentre du camp, ça va. Hop, c'est ce qu'on voit directement, donc on peut cliquer sur qui on veut sans trop de problèmes. Toutes les choses et tout, ça va, c'est pas mal. Mais ouais, 50% de chances qu'ils s'évadent. Je peux faire moins, évidemment je peux faire moins, mais en fait il faudrait genre mettre des gens tout autour des prisonniers en fait. Et c'est un peu embêtant, honnêtement, c'est un peu embêtant. Ça serait bien qu'on puisse faire baisser ça encore plus, genre une deuxième tour de garde ou un truc comme ça, j'en sais rien, mais bon, ça serait pas mal. Mais bon voilà, j'aime bien le camp comme ça, je trouve qu'il est cool, parce qu'on n'a pas encore tout. En objet dans le camp, donc on va devoir encore rajouter des trucs et tout, donc c'est... Enfin voilà, bref, c'est un peu chiant. Ça ira comme ça, on va dire. Ça ira comme ça. Et puis s'ils s'échappent, on les rattrape. J'ai changé quelques petites choses aussi au personnage. Alors, fais voir. J'ai changé... eux, déjà, j'ai inversé genre les objets de métier qu'ils avaient. Donc comme ça, lui, il est vraiment devenu voleur et l'autre, il est vraiment devenu... alchimie, j'ai fait pas mal d'alchimie aussi, il est monté compagnon maintenant. Donc ça c'est bien. Je lui ai mis du critique sur son arc parce qu'elle avait rien jusqu'à présent. Et là j'ai mis une huile de force. Et chaque fois qu'une compétence inflige des dégâts, 50% de chance d'augmenter la force pendant 3 tours. Donc ça va nous aider. Et c'est à peu près tout je crois. C'est à peu près tout. Après j'ai fait un peu de cuisine et tout, enfin voilà quoi, j'ai vidé l'inventaire, enfin voilà, comme d'hab. Donc on est prêt pour partir? On est prêt pour partir, donc on va aller là-haut. Enfin là-haut, je pense que c'est là-haut, je pense que c'est une montagne. Fais voir si toi... Est-ce que tu as des quêtes intéressantes? Oui, dans un sens, on aurait ça. Les fourrures à Stormcap, mais honnêtement, c'est pas comme si on avait vraiment besoin de trop d'argent. Oui, je voulais prendre du temps aussi à aller augmenter mes armes, mais honnêtement, j'ai pas pris le temps au final. Donc ça fait loin, donc on va pas le faire, voilà, tout simplement. Parce que quand j'ai fait un peu le ménage de l'inventaire et tout ça, fait du craft et tout, je me suis dit, ah, il faudrait aussi que j'aille augmenter certaines armes. Mais honnêtement, c'est loin et j'avais pas trop envie de perdre du temps là-dedans. Donc je me suis dit, on y va, on s'en va. Enfin, on commence notre épisode, puis basta, quoi.
On va arriver en pleine nuit, c'est bien, encore une fois. Par contre, faudrait qu'on arrive avant la nuit, en fait, au final. Enfin, avant qu'on doive se coucher, parce que sinon, il risque de pas être content avec les rats. C'est sympa, cet endroit. Alors, là, il y a un truc à fouiller. Inspecter. On a une meute fantôme ici. On va l'éviter. On a des mecs. Je peux potentiellement d'abord faire les rats. On va être fatigué. C'était pas là le... Le secret là. Est-ce qu'on peut mettre yes? Je leur fais voir la carte. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Hein. Non. Je crois qu'on devrait se reposer parce que sinon on va être fatigué en combat, non? Je crois qu'on va devoir se reposer avant. Ouais. C'est plus sûr. Alors, je vais voir. J'espère que personne va me prendre la tête en disant que... Je veux pas retourner. J'aime pas les rats. Alors, je vais voir. On va pas mettre de critique parce que si jamais on peut pas faire les rats, ça va être embêtant. Alors avant, on va regarder si on est bien. Ouais. Très bien, meurtre progressé, nickel. Médaille militaire. Cette broche a une forme très particulière et les lances gravées dessus laissent penser qu'il s'agit plutôt d'une médaille. Ok. Ok, ok. Alors, on a des remèdes imparfaits. Très bien. Non, pas toi. Ah, les remèdes imparfaits, c'est un peu con. Hein. Mais bon, ça permet de... Allez, l'écriture, merci. Bon, personne est... personne parle. Ok, nickel. Ça arrivait, honnêtement, ça arrivait extrêmement souvent en early. Où les mecs voulaient pas... Ouh, attendez. Les mecs voulaient tout simplement pas revenir faire des rats. C'était très très embêtant, honnêtement. On pouvait pas vraiment les enchaîner. Et la troupe gagne plus de butin après un combat. Pris des objets de vente manufacturés, non. Construit comme n'étant pas recherché. 25 points de ciel, fatigue. Je sais pas si ça vaut le coup de faire ça. On va voir, on va tester. Parce que c'est vrai qu'on l'a fait qu'une seule fois. Je suis en train de me dire, est-ce que ça vaut le coup de retester le coup de l'expérience supplémentaire. On repasse aux torches. Ok, on va crafter quelques torches. On va essayer de rester un peu plus longtemps cette fois. Là on a activé nos buffs.
On a activé nos buffs, donc je voudrais rester un tout petit peu plus longtemps, voir si ça marche. Bien. Elle est là, ok, on a ici. On en a 6. On a 3 tout début. 3, 4, 5. Il nous en manque 1, 2, 3, 4. Ok. Ils sont un peu tous au même endroit. Ça marche. Alors, Laura. Laura ici. J'aime bien cette musique. Duan, tu peux... Duan, tu pourrais booster 4 personnes. Ce qui serait intéressant. Maté, je suis sûr que tu peux faire pareil. Genre là. Là. Presque. Ah, c'est embêtant ça. Duel valeureux, faudrait l'enlever à elle. Ok, ça ferait 4. Ok, je crois que c'est pas mal. Je crois que c'est pas mal, là. On a du boost. On peut booster les gens, là. C'est pas mal. Allez, c'est parti. Alors, le premier coup va être très sympa. Quoique, même pas. Putain, c'est ouf, quand même. Quoi, heureux qu'elle a crit, hein. Bien. Très bien. Tous les points qu'on... Tous les points de bravoure qui partent. Ok. Mais on est bien parti là. On a utilisé beaucoup de points. Très bien. On a utilisé beaucoup de points mais ça va aller. Ok, c'est l'heure du duel. Vas-y.
Ah, un arc de feu peut-être serait plus intéressant pour lui pour faire ça. Maintenant que j'y pense. C'est con parce que je peux pas vraiment tirer en fait. Je peux faire ça à la limite. Ça me repaye le barrage et puis on va dire qu'elle est parée si jamais on doit le... Jamais on doit tirer des trucs. On doit tirer sur des rats qui sortent. Ok, ça c'est bien. Ça fait un. Normalement, voilà, on a ça. Je devrais pouvoir le tuer, lui, le détruire. Ah, quoique... Un peu de crit, là, quand même. Putain. Limite, hein. Limite. Toi, tu peux pas soigner. Après, il reste notre rat. Peut-être un peu beaucoup 4 de poison en fait. Ça va se soigner assez sévère en fait. Oh la vache. Ouais, 28 points. Ok, la nuit tombe, super. Alors... Pas mal, toi tu vas mourir de la flèche. Normalement, t'es assez fort pour les tuer, non? Ouais. Très bien. Très très beau. Ça se passe super bien. Tu vas le faire. Merde, elle a pas le... Ah, pas la... La course augmentée, faut absolument qu'on le fasse.
Ouais, faut qu'on fasse gaffe avec elle. Là. Toi, il faut que tu bouges parce que t'es complètement bloqué là. Faut qu'on soigne, qu'on soigne absolument. C'est 4 de poison, ça commence à faire mal. 4 de poison, ça fait combien sur elle? 13. Ouais, 13, c'est pas mal. Ça va vite. Bien. J'aurais dû aller peut-être sur lui pour mettre le... Ok, toi t'es mort. Merci. J'ai cru que t'avais oublié que tu pouvais faire des crits. Ok, plus de flèches. Joli. Parfait, toi tu vas mourir de la flèche. Il nous en reste encore 3, donc un dans le coin. Lui il va mourir, lui il va mourir. Ah bah c'est bon, il en reste plus qu'un à tuer en fait. Qu'un à détruire, ok cool. Okay. Tu peux y aller. Tu peux y aller. Bon bah ça va, c'était rapide là-bas. Là c'était cool. On enlève le poison qui reste. Et on est bon. Voilà, là, c'est bien. Là. Mais ouais, il y a Arnus. Arnus, j'ai envie de le mettre comme un archer soutien, en fait. Elle, c'est... Barrage, c'est pour tuer... Arnus, c'est pour contrôler le terrain, en fait. On est bon en bravoure. On a utilisé beaucoup de bravoure au début, mais... C'était pour la bonne cause. Okay, faut que je regarde un peu où ça sort. Là, il y a un groupe, là, il y a un groupe. Et après, c'est surtout là. Ok. Là, il est mort, lui, il va crever. Oh, il n'y a personne qui est dans le rayon du barrage. Manque un. Ça, c'est... C'est embêtant, ça. Ah, merde, elle est bloquée, en plus. Oh non, attends, mais non, mais c'est bon, elle est pas bloquée. J'aurais pu me faire ça, me tirer sur tout ça, là. Bref, d'accord.
C'est pas grave. On va devoir faire quelques kills pour... Ok, très bien. Pour éliminer un peu le... Ce qu'on a. Ok, tu te mets devant. Ça va, on a galvanisation et tout, c'est bon. Le barrage est opérationnel. Faudra un mêlée ici en fait. Très bien. Là, les deux, là, ils font bien, bien équipe, ça c'est cool. Je voulais me mettre, mais je me suis dit, eh. Pas très utile, en fait. Ah oui, toi, il faut te soigner... Ah oui, mais j'ai... Ah mais non, mais c'est un rat. Je me suis... Putain, mais j'ai pas tué de lui, le détruit de lui. On va laisser le faire. Ça va, on a... Terrible. Vu que j'allais le tuer, je tirais. Alors, toi, tu peux rester là. Ok. On va se mettre là parce qu'ils vont surtout sortir là. Ça serait bien qu'ils soient pas collés contre mes mêlées. Comme ça, ils peuvent bouger. Et bouger, ça veut dire se prendre des flèches. Pas prête. Ok, très bien, 6. Elle est pas prête. Alors...
Ok, nickel. J'ai pas regardé les autres rats par contre. Mais bon, ça devrait aller. Oh, il y a du monde là. Toi tu vas peut-être aller en arrière en fait. Là il faudrait se libérer. Tuer les deux normalement. Ah non. Ah non. Ah si. Elle a plus trop de... d'armure, faudra faire gaffe. Quand elle, elle pourra avoir rage à chaque fois qu'elle touche une cible, ce sera énorme. Ce sera énormissime. Est-ce que 28 à 36, pas mal en fait en dégâts. Fais voir si... Ah, fallait faire juste un critique. Juste un critique et c'était bon. Tada. Juste un petit critique. Ça, on aura fureur pour le tour d'après. Encore une flèche. 3. Il me manque un rat. Là. Ah, ralentissement, ça fait mal. Hein. On va aller leur donner un coup de main. Elle, elle a plus trop d'armure, donc... Très bien. On fait encore un petit round. Histoire de... de profiter au max... Ah, ils ont rage. C'est quoi? C'est la deuxième nuit ou quoi? Ouais, non, on est encore pendant la nuit en fait. Alors. Ah
Toi, tu peux faire sûrement un carnage. Tiens, c'est parti. Le boost là, ça reste pas. Genre récupérer plus de points d'action là, de points de bravoure. Hein, non, ça reste pas en fait. Je sais pas combien de temps ça reste. Ou alors c'est considéré comme comme un nouveau combat. Quand il y a d'autres rats qui viennent, c'est bizarre. C'est très bizarre. Très bien. Ouais, on a bien fait de venir les aider, eux. On a bien fait. Ah ouais, il gagne plus qu'un point de bravoure. Ça doit durer quelques tours, en fait. Ouais, c'est vrai que ça, c'est embêtant, ça. Bon, après, on se débrouille bien. La bravoure, elle est très bonne. Hein. Donc, mais bon, voilà, quoi. C'est un truc à considérer. Alors, fais voir. Ok. C'est un peu au hasard du coup. Ou les plus proches peut-être. Putain, joli. Joli. Très joli. Par contre, qu'on lui fasse un peu des dégâts parce que sinon... Oh merde. Oh. C'est un petit sueur, putain. On aurait pu faire mieux, on aurait pu faire nettement mieux. Sur le coup, je me suis dit, ah, il va pas faire un crit. Aïe. Bon, c'est pas trop grave. Alors, toi... on va te mettre de la volonté, parce que t'en as vraiment pas. Aïe, aïe, aïe. Chiant, quand même. Ouais, j'avoue. Ouais, c'est pas grave. Donc, comme j'ai dit, si vraiment, vraiment on veut... On veut farmer du... Du rat, on peut les faire revenir, il n'y a pas de problème. C'est bon, tout le monde est bon. Ah, si on veut vraiment refaire du rat, on peut les faire revenir, il n'y a pas de problème. On sait le... On connaît le remède, c'est pas grave. Allez, on avance. Ils
sont là, les mecs. I can't stand these yokels and their constant moaning. You have burned down the tavern. Barthez is a drunk. He gives the Brotherhood a bad name. They'll rebuild that hovel in no time. I don't get what they're complaining about. Ouais, toi, va falloir qu'on t'arrête, toi. Flèche. Nombreux séjours en prison n'ont pas assagi Barth. Ces nombreux séjours en prison n'ont pas assagi Barth, qui, pour fêter sa liberté, s'est empressé de faire brûler la taverne de Corsia. Cette fois-ci, la garde demande sa tête. Le mec. Les gens dits de prison, on fait péter ça, brûler ta vie. C'est trop bien. Après, j'ai envie de dire, pour certains, pour célébrer les matchs de foot, ils brûlent des voitures. Donc bon, ah, c'est chacun son truc. Hein. Qui suis-je pour juger, hein? Hop. Qui suis-je pour juger? Ok, on peut faire ça. Il faut un tank. Ouais, Méné, c'est bon. J'ai que 3 mecs là-bas. C'est un peu con. Y'a qui là-bas? Y'a Mara. Ouais, y'a Mara. On va devoir s'en... Ah, il y a Miguet aussi, ça va. On va devoir s'en charger en premier, parce que comme ça... On n'aura pas de problème. Si on faisait un peu de riposte... Oh, la vache. Ok, ça marche. Ah ouais, les dégâts augmentés, oui. Ah, tu les sens bien, là. Ok. Mal, c'est cool. Faut gérer mieux ici, je crois, parce que sinon on va avoir des problèmes. Il y a Taurus qui peut... enfin Taurus, Tarus, putain, Tarus qui peut. Qui peut faire du dégât. Ah, t'as pas provoque, toi. Oh la vache. On va un peu se calmer, les gens.
tout petit peu se calmer. Tarus, fais ta magie. Je pourrais faire ça pour les tuer. Comme ça, j'ai toujours mon attaque. Ah, je peux le tuer avec ça. On va pas le faire. Mais je peux. Faut voir la 9.35. Ouais, lui, il faut vraiment qu'on booste sa force. Faut absolument qu'on booste sa force. On lui met full force maintenant. Dorénavant, il prendra full force. Genre complètement full force. Ah oui, c'est vrai que t'as. On va te mettre là. Comme ça, tu te prendras une flèche. La zone de la hache, hein, les grands. C'est mon kiff. Je l'utilise tellement peu cette attaque. Oh, en plus elle le tue. Oh. Ah, du coup je peux pas faire grand chose. Avec quoi que... La bombe de précision quoi. Ah non, peut-être pas. Ah si. Bah du coup on peut faire pareil là. Je vais peut-être d'abord tirer ça, comme ça ça le fait pas bouger. 14. Ok, maintenant on fait ça, 100%. Ah mais oui, il y a quand même des grosses marques rouges pour dire que je suis en ciblage là. Donc j'aurais pu complètement le faire bouger et il se serait fait tuer. Alors, bouclier agressif, ok. Ça par contre c'est Joras. C'est une arme nommée. Quand il y a un nom à chaque fois, on peut les améliorer. Il est écrit Joras sur le manche de cette hache, sans doute le propriétaire de cette dernière avant que Barthès ne lui vole. Brise poigne. Applique désarmement à la cible pendant un round si c'est critique. Ah, intéressant. Après, on a décapitation. C'est sympa ces armes uniques là, comme ça, qu'on peut trouver. Vraiment sympa. Bon, du coup, nous, il nous manque quelque chose. Je vais voir, Arthès. On est à 31. Là, c'est Iltren. Non, style train. Peut-être là.
Là, on peut pas s'aventurer plus loin. Non. Mais je me demande si ces armes-là, on peut les retrouver ou alors c'est unique. Parce que c'est un peu aléatoire le... par rapport à la qualité de l'arme, en fait. Ah, merde, je suis fatigué. Par rapport à la qualité de l'arme. Donc, est-ce que, genre, on a un essai par rapport à l'arme? Genre, si on a de la chance, bah, elle sera en bonne qualité. Si on n'a pas de chance, elle sera en mauvaise qualité. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça fonctionne comme ça? J'aime bien la hache. Ah, mais c'est une hache à une main. Oh, c'est bête. C'est bête. Tada. Allez, est-ce qu'ils vont s'échapper ou pas? Ah, oh, parvenu à s'enfuir. Taru Cecilia s'est amélioré. Ok. Ah, toi, tu vas pas aimer les rats, je pense. S'il te plaît, Saint-Géru, garde-moi de retourner là-dedans. Je refuse de revivre ça. Tous ces rats qui grouillent, la peste, l'odeur de pourriture. C'était un cauchemar. Priez. Waouh, elle gagnera le trait désespéré. Ouais, super. Gagnera le statut désinfecté. Dégâts contre les excroissances pestiférées augmentent de 50%. Statut retiré après un affrontement contre les invasions de rats. Oh. Un gain gagnera le statut phobie des rats. Cette unité quittera le groupe si elle combat une tanière. Ça, c'est bien organisé. Genre, mieux préparer le groupe au Nidra. Du coup, elle aurait 50% de dégâts contre les excroissances. Le problème, bah, c'est que elle, bah, c'est pas vraiment... C'est bête parce que c'est pas vraiment elle qui va tuer les excroissances. Elle, c'est plutôt... contrôle de rats, en fait. Ouais, c'est bête. Après, on va pas refaire des rats de sitôt. Donc, c'est pas vraiment important. On va faire ça. On a deux repos. Faut qu'on retrouve l'autre là. Ah putain, il y a une tempête en plus. Oh, on va la retrouver dans la tempête quoi. Ah, elle est là. Ouais, à chaque fois je perds des chaînes. C'est bon, on l'a retrouvé. En plus, on t'a sauvé. T'allais mourir de la meute là. Donc sois heureuse. Voilà, sois heureuse. Voilà, c'est chiant. C'est... Se font fouetter et en plus ils sont pas heureux quoi. C'est ouf quand même. Incroyable, incroyable. Bon, il nous manque un lieu. Ça m'embête, ça, par contre. On va aller voir là-bas, parce qu'on n'est pas allé.
Oh là là, la tempête, je suis désolé, on voit rien, c'est blanc partout, c'est horrible. Oh! Vous avez découvert un secret. Maîtrise des armes, ok. Ok, cool. Donc il me manque une zone, sans déconner? Là, peut-être? Ouais, on est à 31 sur 32. On a tout fait. Tout ce qu'on a découvert, on l'a fait. Ah, on va devoir se balader et tout. C'est chiant, ça. La bergerie du libéré. Ça, bûcher improvisé, ça aussi on l'a fait. Bah mince alors. Bon, on va se balader un tout petit peu. Là, je vais être honnête, je sais pas du tout. On va récupérer notre argent. Ouais, non, là je vois pas du tout. Look how empty this room is. Might she be looking for work? Here is your reward. Nickel. Alors, Strong Cap, tuer des gens, tuer des gens. Les gens ont été vus en train de piller les cadavres du champ de bataille. Cela doit cesser. Des gemmes à Mareim. Pilleur de cadavres? Ouais, pourquoi pas, je connais pas ça. Pourquoi pas pilleur de cadavres? Ah attends, il a pas des infos l'autre? Ça m'étonnerait, hein. Je pense que c'est que des infos pour... Unfortunately, I have nothing further to tell you. C'est sûrement que des infos pour l'histoire, ça. J'ai jamais acheté des infos, honnêtement. Jamais, même en early, tout ça, rien acheté. The war drags on. And Lahart and Vernalis. My meat is quite pungent, I am. Oh, don't believe a word she says. She probably can't. Je vais juste vider l'inventaire vite fait, puis on se casse. Je vais regarder si on doit faire à manger, puis hop, c'est bon. On n'a pas grand chose à faire normalement. Non, non, il nous faut des... Héricots de mouton. Il faut des héricots de mouton. Du coup, il nous faut du mouton. On n'a pas de mouton, en fait. Alors. Ça, on range, ça, on range. Ça, on garde. La médaille militaire. Honnêtement, des objets comme ça, j'ai envie de les garder. Mais je crois que ça sert à rien de les garder. Il faudrait des cerises aussi. Ouais, c'est honnêtement, c'est vraiment sympa là, ce système de pouvoir. Putain, j'arrête pas de me répéter hein, pour certaines choses. Mais oh là là, vous pouvez pas savoir ce que c'était avant. Le fait de pouvoir faire des réserves comme ça, vous savez même pas le bonheur que c'est. Aïe 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 aïe. Ok, on a plein de... Ok, c'est cool. Voir notre poids. C'est bon, nickel. Bon. On va faire ça. Parce que c'est un peu sur le chemin, en gros, dans la direction où on allait, donc ça va. Mais j'avoue que je sais pas... Je sais pas ce qu'on doit faire, en fait. C'est eux qui pillent. Hello, dear colleagues. What am I doing, you ask? Why, I am looting dead bodies, of course.
No need to look so appalled. I am sure you have done the same to many of your own victims. See? I was not mistaken. You really are my colleagues. Oh, elle est nouvelle, elle. Elialine, elle est complètement nouvelle. Embauchez votre consoeur. Vous avez terminé la mission. Il rejoint le groupe, vous compagnons avec elle avec joie. Statue ! Ça, c'est une nouvelle, c'est un nouveau perso qu'ils ont mis. Sympa. Très sympa, même. Alors après, je sais pas si elle était un peu au hasard là. Bon, après, elle est bas niveau, hein. Elle a aucun métier. Elle est que 4 et tout. Mais non, c'est cool. C'est marrant parce qu'elle a une armure intermédiaire alors qu'elle peut pas les équiper maintenant. Enfin, elle peut plus les équiper techniquement. Ah, c'est sympa, ça. Ah, tiens. Ouais, les prisonniers, on peut pas les déposer. Bah, ce qui est normal. Hein. Je suis en train de me dire, Elialine, est-ce qu'elle peut... Ouais, non, mais il faut la payer après. Puis on peut pas la... On peut pas la fouetter, en fait. Alors moi, j'aime bien... Bon, je vais arrêter de parler de ça, mais... Bon, on a fini ça. C'est bien. Bon, on va tester les routes, là. Les routes qui finissent, là. Voir si... si j'ai pas loupé des trucs. On va se mettre dans la forêt, ça nous fera du bois en plus. Ok, nickel. Je crois qu'on va éviter de manger des plats. Ça me sert pas à grand chose, ça non plus. Je vois pas le chiffre. Attends, je suis en train de me demander si on peut pas mettre. Je vois pas le chiffre. Okay. Là, on est bon, versé. Ouais, je me dis, on va peut-être pas. Utiliser des plats. Les exploits de Foro font qu'elle sera désormais appelée Foros la balafrée. Elle obtient un point d'attribut. Lol, la blague. Alors, ok. T'es sérieux? Hein? Foros, la balafrée. Intéressant. Ça, dans un sens, je suis en train de me dire maintenant. Vu que c'est des points d'attribut, honnêtement, c'est vachement bien. Parce que... C'est un remède, ça. Parce que du coup, on pourrait... gagner des points d'attribut supplémentaires, mais faudrait fouetter nos amis en fait, du coup ils vont pas du tout s'aimer et tout, donc c'est... Ça serait un peu con quoi de faire ça. Mais... ouais. C'est une technique. Il m'étonnerait qu'il y ait quelque chose dans la forêt. À part des loups. La tour, on l'a faite. Là, on peut pas y aller. Ok, là, on peut pas y aller.
Le château, on s'en fout. Ok, ils sont toujours là. Alors regardez, on a tué des gens, on reste devant les cadavres. Alors... ça c'est bon, le phare d'arrêt ça c'est fait. Bon, si je trouve pas en un petit tour... je ferai une petite pause et je regarderai. My children will not go hungry this week. Je ferai une pause et je regarderai sur internet. Ça m'étonnerait que j'ai loupé... enfin, oui, si, c'est évident que j'ai loupé quelque chose. Mais... je suis étonné. Ah, attendez, je crois que je m'en rappelle. C'est pas un camp qui fait bordure. Qui est genre à l'extrémité de la carte. Avec des gens, avec des soldats en fait. Et ils me demandent d'acheter des poneys. Je me rappelle qu'il y avait un endroit comme ça. C'était très bizarre parce qu'ils sont vraiment contre la carte en fait. Peut-être ça. Là c'est quoi ça? Eux, ça sert toujours à rien de les combattre. Ouais, non, on s'en fout, en fait. Ah, attends, il y a des endroits qu'on n'a pas vus, là. Ah, c'est là. Mais c'est ça, je crois. Camp de la Légion. Non, mais je crois qu'il faut qu'on achète des chevaux pour être... oh là là. Oui, c'est ça. I'm serving under Colonel Reveris's orders for the first time. It's an honor. Everyone in the Legion knows his name. C'est eux. Apart from the Legion steeds, all Artesian horses have been requisitioned for Lords Lahart and Vernalis. These animals could make invaluable companions, but to be honest, they are too old to be of any use on the battlefield. Well, they're yours if you want to buy them. Otherwise, I'm sure they will make a very tasty soup. Une soupe de cheval? Jamais eu ça. The Church has asked the General to let the war decide the land's fate, but the conflict is dragging on. My scouts told me that you played an important part in resolving this conflict. C'est vrai. Know that the General and I are truly grateful. Okay. So, new companion or pony soup? New companion ou pony soup? Je crois que je vais devoir en acheter un. Ah non, c'est bon, on a fini, ok. Yes! On a fini, terminé, ok. Est-ce qu'on peut aller là? Je crois pas. Ouais, non, c'est mort. Non, on n'a pas besoin de les acheter du coup. Ouh, il y a plein d'endroits à pêcher. Bon, ben voilà, c'est bien. Il y a un truc toujours qui me manque, c'est du coup la pièce de puzzle. Ça, par contre, je vais peut-être regarder où on la trouve, la pièce de puzzle. Ça m'embête, ça. Je vais retourner à l'abbaye. Petit à pied, on fait le tour vite fait pour les zones qu'on n'a pas vues. Et on va retourner à l'abbaye, voir si c'est vraiment ça, parce que des fois j'inverse un peu les choses. Parfait. Donc maintenant, on va pouvoir changer de zone. Donc en théorie, parce que moi je l'avais fait dans le désordre, donc du coup en early access. Donc en théorie, c'est vers le marécage. Et après, ça sera la grande ville en dernier. Enfin, en avant-dernier. Après, c'est la dernière zone, la dernière. La nouvelle zone, la dernière. Mais ouais. Donc on va voir ça.
Donc en théorie, j'imagine que... J'ai tapé dans le micro, désolé. En théorie, les ennemis devraient être dans les niveaux 7-8, je pense. J'imagine. Il m'étonnerait qu'on puisse aller plus loin. Au marécage. Attends, on va mettre ça. Course augmentée. Et ça nous fait ça, c'est bien. Vu que là on fait pas de combat et tout et qu'on est juste à courir. Tarus a empêché le prisonnier Foros, le balafré à s'enfuir. Qu'est-ce que vous avez? Ils peuvent pas gagner des traits parce qu'ils arrêtent les choses. Elialine a l'air de bien s'adapter à la troupe, j'espère que ça continue ainsi. Ouais mais elle est pas là, elle est pas avec nous. Waouh super, vas-y, encourage une femme qui est pas avec nous, c'est bien. Bien joué mec, bien joué. Pour l'instant, restez comme ça. Si jamais on rentre à la maison, à la ville, on vous soignera à la ville. Ouais non ça on peut pas y aller. Là il y a des bandits. Et là on doit faire le tour. Ouais on est en bord de... Nous sommes en bord de map. Ouais, c'est mort. Enfin, c'est mort. Faut pas aller plus loin. Il y avait du métal à creuser à la source ou pas? Non. Attendez, on peut peut-être passer par là. Non. Non. Ah, j'avais dit que je voulais prendre d'un sanglier, peut-être. Mais... On verra. Alors, voyons voir. Donc, c'était là. Le coffre est scellé par un puzzle dont une pièce est manquante. Pièce de puzzle. Ouais, c'est ça. Thanks again. May the all-seeing eye bless you. C'est ça. Bon, je vais... Oh. Vas-y, niveau 9. Yes. Alors, les compagnons ont moins enclin sur des blessures. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nouvelle recette d'alchimie. À part... Non, mais c'est une recette. Ok. Ça marche. Ce que je vais faire, c'est... Huile de force. Mais attends, mais j'ai le livre, non? L'huile de force, je suis là. C'est pas grave. Ben, je sais pas trop quoi. Je vais faire une pause. Je vais regarder où est la pièce. Parce que c'est un peu embêtant. J'ai pas envie de partir de la zone sans faire la pièce de puzzle, en fait. Ça m'embête un peu de l'avoir loupé, apparemment. Je reviens tout de suite. Ok, on est de retour. Donc, c'est une quête qui a été retirée. Apparemment, c'est une quête qui a été retirée et elle nous donnait une carte. Alors, je crois pas que ça soit cette carte-là.
Le trésor de la mercenaire. Je crois que ça, on l'a eu. C'était une autre carte qu'on a normalement récupérée et on a déjà fait. On va voir, en fait. En gros, la carte, elle montrait cet endroit-là. Donc, on va y aller. On va voir s'il y a quelque chose là. Il faut que je regarde les cartes, en fait, que j'ai en ville. Bah tiens, on est juste à côté, en plus. Mais ouais. Ah merde, mais c'est de l'autre côté. C'est pas grave, on va regarder là, les cartes en ville. Donc oui, apparemment, c'était donc une quête. À la base, c'était une quête que vous récupériez ici. Au poste frontier, où c'était un scolar, enfin, une personne qui étudie la magie et tout ça, là. Enfin, pas la magie, mais genre les gens d'Alazar. Qui nous donnait cette quête, il nous donnait une pièce de puzzle et après on pouvait ouvrir donc le coffre et tout ça. Mais bon, maintenant c'est plus là. C'est plus là. Et on n'en a pas besoin pour compléter la zone. Donc ouais, ça a été retiré. Je vais regarder juste les cartes. On a un document d'orange. Point de rendez-vous de l'apothicaire. Document de la bourgmestre indique l'endroit important pour la journée de Marheim. Je crois que ça, c'était la femme qui volait dans la caisse. Après, il y a d'autres personnes qui disent qu'ils ont eu la pièce de puzzle autrement. Je vais être honnête, je pense pas que j'aurais vendu la pièce de puzzle. Ça serait quand même con. Non, on n'a pas. Non, je pense pas quand même que j'ai fait ça. Genre par erreur. J'ai vendu la pièce de la carte. M'étonnerait. En tout cas, on va aller voir l'endroit. Mais ouais, comme je disais, donc en gros, ça serait une quête qui a été retirée. Car la carte, on peut la voir ailleurs. Mais le coffre reste là. Le coffre est toujours là. Ah putain, à chaque fois, hein, je suis un peu teubé, moi. Un peu teubé. Toujours sprinter. Je suis sûr qu'on pouvait sprinter plus longtemps. Non, il n'y a rien. De toute façon, il faut la... Je crois qu'il faut la carte, de toute façon, pour trouver l'endroit. Non, il n'y a rien. On va se reposer. Du coup, cette carte, est-ce qu'on a trouvé l'endroit ou pas? Ce matin, je suis en train de me dire que peut-être non. Ça, c'est avec le lac, en fait. Le lac, c'est là. Ici, non. Ici, peut-être. Ici ou là-bas. On peut faire un tour, vite fait. De toute façon, il n'y a que deux endroits. Hein. C'est... Ah non, peut-être là. Non, là, c'est pas la neige. Là, c'est où il y a le tombeau, il n'y a pas de neige. Ici, il y a de la neige et ici, il y a de la neige. Donc, on peut limite aller regarder. Et puis après, on est bon. Hop. Très bien. Honnêtement, je vais peut-être les faire tourner, parce que c'est vrai que le vin, en fait, on n'a pas trop besoin. Et ces idiots, ils me coûtent cher en... en remèdes. Après, les remèdes, on a plein de plantes de côté, hein. C'est pas grave. On a plein de plantes de côté, donc on peut faire des remèdes à tout va, en fait. Voir en acheter. Le poney l'a empêché de s'enfuir. C'est pas mal, ça. 4 et 6. Donc là, du coup, dernier. C'est bien. Mais ouais, genre ça, on n'a pas vraiment besoin, en fait. On verra au prochain repos. Allez, go.
mange pas de repas exprès parce que je voudrais garder des repas de côté. Évidemment. Pour les zones où on ira vraiment combattre et tout ça. Mais vous avez vu un peu la différence de fatigue comme ça descend vite maintenant. Alors, on va faire des remèdes vite fait avant de partir. Alors, compagnon, remède. Ça fait de la poudre d'Alazar, c'est bien. Ok. Allez, on y va. On va checker les deux endroits, puis après, du coup, on se casse. On ira dans une nouvelle zone. Et ça sera notre fin d'épisode. Je suis en train de me demander si on devrait pas s'arrêter à Tiltren. Comme ça, je peux aller récupérer, vous savez, la chose que j'ai oubliée, là. Le bonus, là, pour réparer. Genre, est-ce que c'est là ? Non, c'est pas là. Ça a l'air d'être ici, par contre. Et là-bas. C'est à droite, là. Ah ! Cassez-vous, les loups. Je crois que j'ai trouvé. Creusez. Vous avez trouvé un trésor. Ouh. Deux gemmes. J'aime ça. Ah. On est bon. Oh, on arrive au-dessus du tombeau de Tiltren. C'est marrant ça. Ah, il y a peut-être des secrets. Parce que je me rappelle qu'à un moment. Il y a quoi là? Il y a rien. Il y a un moment, au-dessus d'un des tombeaux, il y avait un endroit secret. Il y a des ours. C'est là. Là, 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 là. Ah, putain. T'es sérieux, là? Vous avez découvert un secret. Les chroniques d'Edoran. Ouh. Talisman de Beleriand. Ça, c'est nouveau, ça. Ok. Il y a autre chose ou pas? Non. Après, j'imagine qu'on peut en mettre un aussi ici. Ok, on va camper. Pas mal, pas mal. Vous voyez, il y a des petits secrets comme ça sur la carte, c'est sympa. Donc ça, connaissance, on prend. Donc on a deux gemmes, ça c'est cher, 129 l'un, c'est bien. Un talisman avec vision plus 1. Ce type de talisman est réputé avoir guidé... les margraves jusqu'à Beleriand. S'il fonctionne en mer, il doit pouvoir en faire de même sur terre. Vision plus 1. Je pense pas que ce soit très très utile. Il y a que lui ou soudoyer, ça sert un peu à rien, j'ai envie de dire. Surtout qu'on n'arrive pas vraiment à... Enfin, j'y pense jamais, en fait. Ah, on peut rester comme ça. Alors, donc, comme j'avais dit, l'alcool, pour le moment, n'a pas vraiment quelque chose à faire. Tu peux te mettre là. Par contre, ça, oui. Donc, remède... Et je crois qu'on va t'inverser. Toi, t'es toujours en train de faire des recherches. Alors...
bas de la course. Bien. Ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas d'option pour, genre, ne pas donner à manger, par exemple, aux prisonniers. Genre, ça n'existe pas, ça. Oh, elle n'a pas été fouettée, merde, quel con. Quel idiot. Alors, par contre, là, ça va être chaud de le retrouver, le machin. C'est bon. Hé hé. Viens ici. Non mais oh. On te laisse te reposer. C'est comme ça que tu nous remercies. Incroyable. Incroyable. Bon, normalement on peut rien faire sur au-dessus du temple. Repère des brigands. Là, il y a la meute fantôme. Ah, repère des brigands. Ouais, bon, de toute façon, on va tuer tout le monde. If you wish to benefit from everything the black market has to offer, you will have to make your way there. In the meantime, you can deal with me. I take anything and everything, wherever it comes from. J'étais en train de me dire, le mec, il est tellement dans un coin que j'ai sûrement pas dû le voir. Genre, quand je regarde là, j'ai pas dû faire attention qu'il était là, le mec. Faut que je prenne la... Ah la vache. La recette. Incroyable, quoi. Pourtant, j'essaye de vraiment bien, bien, bien faire attention à chaque fois qu'on est dans un lieu. If you wish to benefit from everything the black market has to offer. Donc ça, c'est... Pour avoir utilisé une compétence, cette unité a 30% de chance d'appliquer un de poison aux cibles touchées. Mais on l'avait pas, ça? Non. Ah, mais non, mais ça se met à la ceinture. Putain, c'est pas mal en fait. À chaque compétence, t'as 30% de chance d'appliquer un de poison. C'est pas mal. Hein. Ça serait intéressant. Si jamais... Parce que Philak, il y a plein de choses en fait qui m'intéressent avec lui. Genre augmenter les dégâts de poison, les trucs comme ça. Mais le critique 5%, c'est dur. C'est très 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 difficile de se... de se séparer du 5% de 5% critique. C'est extrêmement dur de se séparer de ça, parce que 5% c'est énorme. Mais j'avoue que si bon, chaque habilité il a une chance de rajouter encore du poison, ça peut être marrant. Ça peut être très marrant. Bon bah du coup on est de retour ici. J'ai pris zéro mission. On aurait pu faire du commerce et j'ai rien fait du tout. C'est pas grave. C'est pas très grave. Putain, niveau argent, on se débrouille bien. Bah, je pense qu'on va rentrer à Storm Cap, là. Potentiellement s'arrêter. Du coup, on a trois régions de fête. Il traîne Vertruz et Arthès. Et du coup, il faudra aller dans la prochaine. Je crois que c'est les... je crois que c'est Arag. Je crois hein, que c'est celle-là, normalement. Ici.
donc la frontière d'Arag. Arthès, ouais. Je crois que c'est ça. Après, là, on a Gozenberg. Gozenberg, Grimir, enfin, la province de Grimir, c'est... Normalement, c'est après ici. C'est après Luderne, en fait. Donc, on va voir. Mais je suis pas trop sûr, en fait. J'ai pas envie de me balader pour rien. Donc, ouais. Je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. Ce que je voudrais, moi, c'est... faudrait que je retourne à Vertruz. Pour récupérer ce qu'on avait dit, là. Mais ouais. Ouais, on va s'arrêter là, je pense. On va s'arrêter là. Alors, fais voir un peu. On va regarder un peu la ville, vu si elle a changé ou pas. Enfin, ce qu'on a acheté plutôt. Alors, la nouvelle Hachtel. Ça, c'est la nouvelle zone, je crois. La bande 1, Kudo, troupe, troupe. Maraim, recherche des ambres. Maraim. Ah, Maraim, c'est Vertruz, si je dis pas de conneries. Maraim. Oui, c'est ça, c'est Vertruz. Ouais, bah tiens, que je pourrais faire ça à la limite. Mais ouais, je crois que je vais m'arrêter là. Et comme ça, j'irai... J'irai directement voir où est-ce qu'on va le prochainement. Mais je pense que ça sera donc Arag, les marécages et tout ça. Ah, on va s'amuser là-bas. On va s'amuser. Il y a plein de trucs. Je suis content. Je suis content en fait de faire cette zone en première parce que honnêtement, elle est assez, on va dire, spéciale par rapport au reste. Nickel, on peut... Elle est assez spéciale comparée au reste. Those je réfugiés. I understand there's a war in Edoran, but that... come, take a look at my wares. Non, c'est bon. Il me faut des. Par contre, il me faut absolument des chaînes parce que les mecs, ils arrêtent pas de s'échapper comme ça à chaque fois. Là, c'est les gens qui étaient arrêtés là. On a plein de choses. Faut que je fasse un tri, sérieux. Faut que je fasse un gros tri. Alors, compagnon. Perche au chou, non. Le chou farci, oui, ça c'est intéressant. Mais nous on veut le choc des cultures, donc il me faut des haricots de mouton. Normalement on peut, voilà. Fais voir le choc des cultures. On en a qu'un seul. La trempe. Pomme. Il faut du miel. Il nous faut grave du miel, c'est chiant ça par contre. C'est très très chiant. Un truc que je peux faire, c'est voler celui-là qui a la... Ouais, ce qu'on va faire, attends. Attends. On va voler celui qui est à la taverne. La tarte, là. On la transforme, comme ça on risque rien. So, wanna find out what's new in Tiltrun? Nickel. Et voilà, choc des cultures. Très très bien. Chou farci, on en a que 7. Les choux farcis, c'est... haricots de mouton, raisin. Chou farci, c'est juste des choux et du poulet. Là, on n'a pas de choux. Je crois que... Ouais, non, c'est bon, on peut en faire. Chou farci, c'est vachement bien en fait. On va s'arrêter là. Ouais, on va s'arrêter un peu là. Et on va voir ce qu'on fait la prochaine fois. On va sûrement donc commencer directement dans la nouvelle zone. Enfin, je vais pas y aller directement. On va faire le chemin ensemble hein, parce que sinon c'est pas fun. Nous, on va essayer. Nous, il nous faut quoi? Des cerises, on a de l'eau de vie. Des cerises. Je vais peut-être. Je vais voir l'inventaire un peu, voir ce que je fais avec l'inventaire. Et puis voilà, on fera ça. J'ai pas mal d'argent. Je vais voir aussi si je peux pas respecter quelques personnes. Parce qu'on a pas mal d'argent. Je voudrais mettre les armes à jour. Enfin, les armes intéressantes en tout cas. Parce que, honnêtement, j'ai envie de la laisser de côté, cette la fendeuse. Là. Voir si on peut pas récupérer un truc mieux plus tard.
Je vais mettre un peu les gens à jour, voir si je les respecte pas, parce qu'on a des nouvelles choses. Genre là, par exemple, on a la fièvre et tout, ça c'est bon. On a quoi aussi maintenant? Ah oui, les lanciers. Les lanciers. Je voudrais voir ce que ça donne, ça, Albardier. Je voudrais voir ce que ça donne, donc je vais peut-être tester. C'est une zone de 2,5 mètres. C'est sûrement une zone tout autour de lui. Ça, c'est un G. J'aime bien le G parce que ça fait saignement. Mais ça, je voudrais voir ce que ça fait une fois amélioré, en fait. C'est surtout ça. Après, Drakkard, je crois pas qu'on va le changer. Parce que déviation, c'est pas très intéressant comparé à ça. Le soutien acéré, j'aime bien. Mais ouais. Donc voilà. Je vais voir un peu l'inventaire et tout. Faire le plein. Faire de la nourriture si on a besoin. Voir un peu ce que je fais avec mes gens là, mes prisonniers. Et voilà. Et on sera prêt du coup pour aller à la prochaine zone. Et je vais aussi prendre le temps d'aller récupérer ça. La restauration de Gozenberg là. Parce que ça fait un petit moment que je veux le faire. Donc ouais, ça va être sympa. Ça va être marrant. On continuera ça la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine. Portez-vous bien, ciao.